Petite question, pourquoi est-ce que mon live est bidesque aujourd'hui? Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur... On va continuer un petit peu sur Minecraft, bien sûr. Extrêmement créatif, perfectionniste et motivé, je cherche à travailler dans le domaine du jeu vidéo ou du dessin animé. Partir d'une matière où il n'y a aucun son à la base et tout créer de A à Z. C'est effectivement ma description LinkedIn, je crois. Parce que j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, attends, ça me dit quelque chose, ce truc-là. Mais oui, c'est un truc que j'ai écrit genre en 2010. Ah oui, j'avais fini là-dessus. J'avais fini chez Bagheera et Hortense. Bah d'ailleurs, justement, je vais aller un peu checker. C'est pas en 60 FPS, non? 2 FPS, comment ça? Il est bête ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passait? J'étais dans de l'eau. Ah, c'est une cascade. Alors, où est la cascade? Tout doit être en bas, là. Où sont mes affaires? Nulle part. J'ai tout perdu? Ah, non. Ah, voilà, merci à tous. Ah, attends, je vais aller chez Mintos un peu, là. Elle est où, son anti-tour? Elle est en dessous, je suppose. Merde. Comment on fait pour remettre ce qu'il avait mis? Merde. Accroupi? Ah. De l'autre côté, je suppose. En bas, je suppose. Là. Ah oui, voilà. Merci à tous. Faut pas fermer? Ah. D'accord, pardon. Et je sais pas, moi, je comprends pas cette règle. Vous dites mais comme si j'étais un expert de Minecraft. Quelle est la logique pour moi de fermer ou d'ouvrir cette porte? Ah, parce qu'il faut pas que je retire... Ah oui, d'accord. Pour retirer ça. D'accord. C'est logique, mais pourquoi c'est logique? C'est du côté du parking, son trou. Ah. OMG, ok. OMG. Ah mais je pensais qu'il y avait genre un tout petit trou et ensuite tu rentres dans la caverne et tu descends et là t'as ce truc là. Moi c'est ce que j'aimerais bien faire avec la tour là-bas. D'ailleurs effectivement faut que je la remodèle un peu parce que quand vous regardez, regardez il y a des trucs qui dépassent là. Et il va falloir faire ce toit là-bas aussi également. Je pense qu'on va faire un truc en verre à la con hein, encore une fois. Comment je peux me sortir de cette situation pour faire un toit messieurs dames? Fais un carré. Bah oui mais un carré ça va dépasser. Quoique. Ah non en fait si je le mets là, si je le commence là... Et que je continue là et qu'il continue... Ah non, c'est bon, c'est faisable. Une petite pyramide. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Inspiration, le musée du Louvre, tout à fait. Est-ce que cet endroit-là, ça pourrait pas être l'endroit qui permet quand on fera les étages, qui permettra d'accéder à tous les étages, tu vois? Un ascenseur, finalement, c'est ça le terme français, il me semble. Ouais, mais alors attends, parce que là, en fait, il y a des trucs qui dépassent, quoi. Tu vois, quand même le trou, quoi. En fait, je me pose la question... Je pense que c'est même pas la peine de faire descendre la tour, faut juste boucher le trou, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Vous avez raison. Vous avez tout le temps raison, c'est ouf. Qu'est-ce que je ferais sans vous, en vrai? On n'a pas dit ça, hein. Si, vous avez dit ça, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous, encore une fois. Comment je fais ma petite affaire, finalement? Parce que là... Je suis un bouffon. So long. Ah non, ça va. Non, mais ça va. En fait, je sais ce que je vais faire. Échafaudage. Vous me parlez d'échafaudage alors que moi, je fais des tours en terre, quoi. Les amis, sois en sérieux, s'il vous plaît, hein. Est-ce que je ferais pas un toit qui pointe par là? Genre vraiment en direction de la mer, finalement? Non! Je comprends pas ce que tu veux faire. C'est pas grave, t'inquiète, hein, je te demande pas. Voilà, comme ça le... Merde. Vous inquiétez pas. Oh, OMG, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et maintenant, l'autre problème, ça va être ici. On va refaire une tour. En fait, qu'est-ce que je ne ferais pas pour ne pas casser du verre, quoi? Le verre, c'est trop important. Vous saviez que c'est la deuxième matière la plus importante au monde, après la bouse? Je vais creuser dans ton mur. Non, mais laissez-moi tranquille. Vous connaissez rien, Minecraft, là. J'ai autant de viewers sur Minecraft, c'est grâce à ma connaissance du jeu. Les gens viennent ici pour apprendre, en fait. L'angoisse un peu là, non? Un peu l'angoisse, hein. C'est un poquito l'angoisse. Voilà. Sauf que j'ai oublié de mettre des bougies là-haut par contre, hein. Enfin, des torches, pardon, excusez-moi, la dernière fois que je dis bougies, les gens ont fait des syncopes. Qu'est-ce qu'il y a chez Mintos? Il y a peut-être des choses. Alors attendez, je vais fabriquer du verre. Let's go. Mais comment il a tout ça, Mintos, là? Et Mintos, il joue à quel jeu, là, en fait? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Mintos? C'est... Enfin... Oh non! Oh non non non! Non non non! Non 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 non! Oh non! Non! Non, arrête! Mintos! It's not what you think it is! Tiens, reprends ton verre, mec! Prends ton verre! Il y a de la terre vers l'antitour, quoi. Il prend pas son verre. Ah, c'était le mien, en vrai. Comment ça, il y a... Comment ça, Mintos? Comment ça, mon R-E-U-F? Ah oui, d'accord. D'accord. Bien ce coffre, bien ce coffre, bien ce coffre. Bah c'est super Mintos, merci beaucoup, mais moi je cherche du charbon en fait. Oh putain, le mec est en 2009 quoi, c'est incroyable quoi. Bien joué Mintos, masterclass mec. Et c'est quelqu'un qui dit coiffeur tout le temps qui te le dit hein. En vrai, faudrait pas que j'aille chercher un peu de diamant pour avoir de meilleurs outils ou dans un moment en vrai. Étoile, on a plein en rab. On va aller voir chez l'étoile alors. Mais arrête de voler OMG, mais je ne vole pas, vous inquiétez. C'est nos ressources à tous hein. Ah, c'est... C'est vraiment nos ressources à tous hein, bien sûr.
Il y a des bruits bizarres. Ouh là là. Ouh, ouais. Pourquoi ces bruits là? Il y a du diamant, mais il en a pas tant que ça. Je vais pas lui voler du diamant, c'est pas cool. S'il en a que 3. Je pensais qu'il en avait 10 000. Il y a de la laine. Super mec, mais moi je veux du diamant. Oh mais là-haut aussi, c'est mal fait. Oh, j'avais pas vu. OMG. Ok. J'offre 10 subs si je me rate. Vous offrez tous 10 subs si je réussis. Parti. Merci à tous, bravo. Putain, j'attends vos subs là, let's go. On est tous trop forts, merci, on est super contents. Mintos a quitté la partie tellement il était deg d'avoir vu ça. Ici, c'est bougie, hein. Moi, c'est pas des torches que je mets, c'est des bougies. Hein. Qu'on soit bien clair entre vous et moi. Ok, alors attends. Est-ce que ça va le faire ou est-ce que c'est... Putain, mais les spectres ailés à cette heure-ci, là. Quoi? Enigta. Mais ça suffit. Tu vois bien que je ne suis qu'un innocent Minecrafter. Ok, mec. Tu veux te battre? Ok, bah t'es plus fort que moi, let's go. Vas-y, on monte, là. Hein. Ça suffit. Mais ça suffit. Laisse-moi monter dans ma tour. Vas-y, laisse-moi tranquille, bro. Non, arrête de crier. Mais putain, mais... Je me fais bouler dans le jeu. Vas-y, je suis niveau 1. Pourquoi? Regarde, il est là-haut. J'ai pas d'autre truc pour monter. J'ai pas fabriqué autre chose que cet ascenseur pour aller sur mon toit. Ok, mec. C'est finito. Hop là! Le nulos! Là, on pourrait faire une pointe. Direction par là, tu vois. Genre... Vous voyez Minas Tirith? Mais tu vois, en fait, ça ferait un triangle en haut. Et en fait, ça monte comme ça jusqu'au triangle en diagonale, en fait, en oblique. Depuis le bas, on fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en gros... So long! Avec une cascade au bout. Oui, j'avoue, sur la pointe du bout. Tu vois ce que je veux dire? Avouez tout de même que vous devez quand même vous sentir assez privilégié. Enfin, je suis pas dans votre tête, hein. Mais devez vous sentir assez privilégié d'assister quand même à quelque chose d'aussi énorme. Non, comment ça, non? Je vois des gens dire non. Mais les gens, quand ils vont redébarquer sur le serveur, là, ils vont être en mode « Waouh, mais c'est un génie !» Je leur dirais « Non, 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 c'est vous les génies. » Pas moi. Moi, je suis qu'un simple... Un simple architecte, en vrai, hein. Trop fort, c'est trop puissant ce que je viens de faire en vrai. Après, l'avancée, elle est pas un peu petite en vrai? Est-ce que ça aurait pas mérité de mettre plutôt deux blocs à chaque fois? Deux blocs par deux blocs plutôt qu'un bloc par un bloc? Ouais, c'est deux blocs par deux blocs plutôt, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. On est souvent d'accord encore une fois. Hein. L'ombre de la tour. Oh putain, j'avoue. Eh, hey, au moins on est là, hein. History in the making. C'est vraiment pas dingue, quoi? Regarde! Regarde depuis l'eau! OMG, c'est un vaisseau de Star Wars? Non, c'est la tour de merde. OMG, c'est magnifique. OMG, qu'est-ce que c'est? J'avoue, oh, je vais regarder ce que ça donne depuis chez Bagra Horti après. Ah, on se rend pas compte encore. Hein. Ah, mais parce qu'en fait, c'est parce qu'on voit pas d'ici. Putain, on le voit pas. Putain, faut qu'elles rapprochent leur maison. Faut rapprocher la maison pour bien voir. Je vais commencer à aller voir leur maison. En fait, je vais déplacer bloc par bloc. De quelques blocs en avant, la maison de Bagra et Hortense. Vous déplacez la tour. Pourquoi ce sera à moi de me déplacer? Pourquoi ça sera à moi de déplacer la tour alors que c'est pour qu'elle puisse voir la tour? Là, tu vois, c'est pas mal, la vue d'ici. Vue d'ici, il y a un dos. Et ensuite, on va faire rup comme ça. On dirait un colis qu'on n'a pas fermé. On dirait un ange dans Evangelion, ok? Moi, mon but, c'est vraiment que ça s'étire jusque-là. Voup, pour monter comme ça. En diagonale. Voup. Et ensuite, petit à petit, tac, 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 quoi. Alors, faites-moi un calcul, là. Un calcul savant. Pythagore. Ah oui, d'accord, mais moi, j'ai tout oublié. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai fait des mathématiques, c'était sur un live de Amine Mathieu. Hein, donc, c'est mal la gueule du cours de maths, quoi. Je n'y connais rien en mathématiques. Hein, j'ai acheté mon diplôme. Là, j'en mets 1 puis 2, c'est ça? 1, 2, c'est ça? Oui. Ah, j'espère que vos calculs sont exacts. Oh, ça a l'air pas mal, en vrai. Putain, c'est bon, quoi. OMG, c'est bon. Putain, bravo les calculs, hein. Et vous savez, les pyramides dans l'Égypte antique, ça a été construit avec des techniques que vous estimez être rudimentaires, hein. Vous vous moqueriez pas des Égyptiens, hein. Pourquoi vous vous moqueriez de moi, alors? Et du coup, faire pareil sur chaque bout, quoi. Bah, le fait qu'il y ait des trous, c'est dommage, hein. Je mets des glowstones dans les trous. OMG! Il utilise jamais de la... Étoile, ça lui sert à rien, la glowstone. Étoile, lui, tout ce qu'il veut, c'est se battre, hein. T'as un violent. Vu que ça lui sert à rien, on en a juste pas pris, quoi. Ah si. Étoile, est-ce que je peux te prendre tes 25 de poudre lumineuse dans ton coffre? Ah oui, bien évidemment. Et prends un petit diamant, mec. Ah, ok. Prends du diamant, mec. J'en prends tout pour toi. Ok, merci. Prends genre 15 de diamant.
C'est ton paiement pour être quelqu'un de trop mignon. Merci beaucoup, mec. Je t'adore. Allez. Gros bisous, tu es le meilleur, mec. Bisous. Ciao, mec. Merci. Il faudrait que je place les cubes de glowstone ici, vous dites ? Genre comme ça. Oh, la dinguerie que je suis en train de produire. Ouais, il va falloir que j'aille en récolter moi-même, je crois. Ok, il va tomber pile dessus. Vous allez voir. So long. Let's go. C'est pas mal, en vrai. Bon, allez, je vais me casser du nether. Oh ! Oh non, je suis foutu. Ah non, c'est là ! Putain, vite ! Grouille ton cul ! Grouille ton cul ! Bonjour ! Ok, revenons où nous en étions tout à l'heure. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose, hein. Quand tu auras tout vraiment vrrr, comme ça, là ? Unbelievable. Il existe d'autres blocs que terre. Ouais, il y a les blocs de verre, je sais, et les blocs de glowstone. C'est les trois seuls blocs qui existent, hein, globalement. OMG, l'idée de fou! Vu que tout l'intérieur va être une dinguerie, on est d'accord, hein, bien sûr, tout l'intérieur de ce truc-là, vu qu'il y avait plein de glowstone, à la toute fin, je vais remplacer l'avancée par du verre. Comme ça, on verra tout au travers. Là, ça. Ça sera du verre. Ouh, la dinguerie! Mais j'ai envie de check... Comme disait Étoile, hein, effectivement, les shaders donnent une carrière matour. Hein. Design de bouilloire. Non, mais ça sera... C'est pas une anse. Ça sera fermé au bout d'un moment. J'ai pas fait une brita, quoi. Ce serait peut-être temps de faire à l'intérieur. Hein. Mais le premier étage, faut qu'il commence au haut de l'escalier, en fait. Ouais, 7 étages de 7 blocs, ouais. Oh, genre le balcon! Donc, quelle sera la matière du sol? Non, pas de la bouse. J'ai pas envie qu'il soit en bouse. En fait, j'aimerais bien que l'intérieur soit différent. En tapis? Mais je sais pas comment on fait. Comment on fait des tapis? Faudrait que j'aille récupérer de la laine, mais comment on fait pour récupérer de la laine? Je sais pas, en fait, je sais pas du tout comment faire tout ça, moi. Par contre, attends. Un truc que j'aimerais bien, c'est qu'au centre de chaque étage, il y ait en fait un petit carré là de 3 par 3, de verre à chaque fois, histoire que ça montre toujours, quand tu te mets au centre, tu vois toujours le centre de ça, tout, ou peu importe où tu te trouves, en fait. Un puits de lumière, voilà ce que je voudrais. Ah, ça, c'est une idée d'architecte niveau 100, tout à fait. Exactement ça, messieurs, dames. Alors, quelle matière? Ah oui, il me faut les ciseaux. Comment on fait les ciseaux? Fer brut. Faut le cuire. Ah, faut que je fasse cuire le fer. Putain, c'est vrai que j'ai jamais eu de fer. J'ai jamais fait cuire le fer, en fait, depuis le départ. Vous vous rendez compte, messieurs, dames? Regardez. Hop là. L'âge du fer. C'est maintenant, messieurs, dames. Les cisailles, voilà. C'est ça ce qu'il me faut, hein. Et du coup, là, faut que j'aille voir les moutons de Mintos. Tu es pas le mouton utiliser ciseaux. Oui, ce que je fais, t'inquiète. Non. Pardon. Excuse-moi. Regarde les coffres, il y a de la haine dedans. Bah attends, déjà, je récupère moi-même les trucs, là. OMG, d'accord. Du coup, on est d'accord que... Ici, du coup, c'est ça. À cet étage-là, boum, hop. Bon, vas-y. Effectivement, je vais vous laisser, hein, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Ouais, mais c'est pas toi qui décide.